Zami Wikatizan, bonsoir. Rendez-vous sa classé chaque mardi dans même l'heure pour nous présenter une belle rubrique ça qui c'est Atizan. Jodi an nous gen occasion pour nous présenter Marc Constant. Marc Constant qui c'est un père de famille qui s'était école sur route Boudon, li nan domaine nan depuis l'année 98. Mais t'a semblé business an pas trop facile pour Marc Constant. Avant nous découvrir qui est-ce qui Marc Constant, n'a pas une petite pause et puis n'a pas tourné. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la télé Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Merci parce qu'on toujours à suivre émission Paola qui c'est Écho des Arts spécialement rubrique artisan. Et m'a rappelé nous si nous à peine branché, nous sur Télémoment chaîne 54. J'aime ça dit nous Marc Constant, lycéen artisan, li spécialisé l'en fait pour fleurs. Mais avec qui matériel que li fait yo, c'est avec l'eau, terre rouge, ciment et latrier. En al vive merveille ça yo que Marc Constant a fait avec matériel ça yo. Marc Constant, c'est un artiste qui veut dire qui placé sous route Boudon normalement après Kafoumiso qui a fait des œuvres qui extraordinaires bah qui a attiré tout le monde même pour à l'étranger ça veut dire là que il a regardé œuvre moi regardé il senti au bien il senti satisfait parce que fait des œuvres qui a attiré tout le monde dans le monde entier. Depuis qu'il l'heure ou même ou dans domaine ça. Moi dans domaine là depuis en 98 m'a performé dans zone là dans artiste là. Combien de temps on prend pour réaliser un pot comme ça? Moi prend une semaine pour me réaliser. À qui ça ou fabriquer pour ça? Moi fabriquer avec béton, ciment, de l'eau et puis peinture et puis travail qui fait sous l'eau. OK. Et pour raisin comme si j'en fais couleur yo sous lien, qui bon jeune couleur ça? Bon, moi acheter couleur yo dans magasin et puis moi me composer yo et puis yo vinn bon moi couleur ça ouais. Bambou ça yo, me connais bambou son bagage qui difficile pour nous joindre. Donc qui bon ou même ou joindre bambou pour faire travail ça? C'est Okay, Jacques Mel moi toujours faire yo chercher pour moi et puis me payer transport pour moi capable entrer avec yo et puis me préparer yo. En artisanat pour moi capable de vendre avec la population. Pour ça, c'est toujours décor ou fait avec. On mettez dans la cour, premier sac qui dit bonjour, c'est une belle fleur, un bel bac à plantes qui attire pour entrer dans la maison ça. Donc moi j'ai gagné différentes couleurs par rapport avec et pour te dire mon fait au café en semaine là. Donc couleur ça lui même à qui sont composés. C'est toujours à peinture, c'est moi composé. Toujours à peinture. Ça veut dire différentes couleurs ouais, ça qui rend moi mettez plusieurs couleurs. Parce que gen tout client chaque monde gen une couleur qui préfère yo préféré gen moun c'est jaune nan gen c'est blanc gen c'est
et artisanat, ça veut dire ça qui est en cours antique, c'est eux besoin qu'on a ou obligé faire en quantité dans chaque couleur pour moun. Les moun nan vini pour pas de problème. Pour qu'on a tout client. Je prends 2 semaines pour me réaliser, pour me mettre en béton. Ça veut dire que je prends l'autre semaine encore pour me mettre en couleur, pour me designer, pour me venir rendre un dauphin naturel. Je ne prends pas un dauphin naturel parce qu'il n'y a pas de couleur. Mais pas longtemps, ou bien pour passer sur la route là, et puis je prends son dauphin. Normalement, c'est comme si c'est dans de l'eau et il paye seulement. Il faut me lancer avec fer parce que je prends un squelette que je fais d'abord. Avant que je fasse le dauphin, je fais le squelette là, je prends le fer, je fais la forme du dauphin et je fais la dimension, je prends la longueur et puis je fais la forme normalement et puis je m'enregistre les zélio et puis après ça, je remplis avec le béton pour jusqu'à ce que je vienne former le dauphin. Pour l'époque, ça a eu un peu de difficultés dans le pays. Hein? Donc, pas la même. Qui gens ont fait les manifestations pour la rue? Bon, souvent, les manifestations, bon, elles sont tellement attirantes. Des fois, les gens viennent et ils crasent les choses sur la rue. Mais ils ont dit que ça n'est pas Eve pour les craser. Même les manifestants, ouais, ça c'est Eve pour les protéger. Notre fois, je me suis dit qui était passé là. Ça t'est vraiment étonné, moi, je t'ai venu croiser belle F. Ça. Je ne sais pas si tu as passé un paquet tremblé dans la route. Et c'est l'État qui a fait ça. Et je pensais, moi-même, c'est un artisan qui n'a pas de problème avec l'État. Parce que moi, j'aime l'État. Moi, j'aime le côté qui a fonctionné à l'État. Avec dit, moi, j'aime le programme l'État. Mais normalement, ça t'a fait ça qui t'a étonné c'est parce que j'étais venu croiser Eve moi qui bon la rue au lieu de te reler mieux te parler avec moi en tant qu'un artisan parce que ça m'a fait c'est bagaille qui pour attirer monde venir dans pays il bagaille qui pour faire pays assembler avec un pays m'a fait normalement j'ai senti ça t'a fait vraiment triste par rapport avec bagaille moi j'étais écrasé ça y a pas de besoin qu'on qui est qui était Marc Constant et j'étais wel et m'ta dit c'est comprendre ou pas comprendre yo comprendre. Même par contre, pour qui raison vous avez fait, à quoi raison. Je souhaite, au lieu de ça, vous avez fait, puis vous avez cherché et rapproché de moi pour vous plus ramener. Parce que ça, vous êtes là, c'est parce que c'est moi qui ai fait comme ça. Moi, j'ai fait un pile d'autres bagailles qui ont fait plus que ça. Nous mettons là-dedans une sorte de coffrage. Parce que si nous va, si nous mettons le sang là-bas, il ne peut pas monter. Si nous mettons le coffrage, il ne peut pas faire. Pour ça, il ne peut pas l'utiliser pour faire qui ça? Pour mettre les belles fleurs là-dedans. Nous sommes contents ensemble avec vous dans la rubrique Silla qui est artisan. Nous espérons que la rubrique ça te fait un peu de plaisir et nous souhaitons que vous appreniez même gens avec nous que vous pouvez recycler des matériels que vous peut-être qu'à ignorer ou bien pas bas aux valeurs. Déjà, nous avons profité de remercier Miraculeuse Production qui t'a habillé nous
Restez branchés à la programmation quant à nous-mêmes, semaine prochaine, pour un autre artisan.